Bonjour, bonsoir, Bandeko Valandia. Émission décryptage de l'actualité. Na katia chaîne Nabino. Actualité 24 sur 24. République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Plus de 11 000 personnes à nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube, pourquoi pas Instagram, compte Twitter. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker, commenter nos vidéos. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique nakati ya République démocratique du Congo. Interpellation aussi à la jeunesse de prendre conscience. Ce qui lelo to bundi pona mboka oyote ezana mutu moko te akoya kubundela pona République démocratique du Congo. Primo, nous allons commencer à l'est de la République. Il semblerait déjà cantonnement militaire. Ou soit ba rebelle, il faut baya na kati ya République démocratique du Congo pour naba désarmer bango à Sabinyo. On va se poser des questions na kati ya émission na biso awa. Est-ce que on a déjà préparé Sabinyo? Point d'interrogation. Est-ce qu'on a préparé déjà les terrains? Est-ce que vous avez déjà été à Sabinyo? Des questions qu'on va se poser dans cette émission. Est-ce qu'il est prévu pour leurs conditions de vie? Batou Bakouya, ou soit Barébel ya M23 Bakouya, cantonnement, conditions de vie Nabango, l'État déjà à prévoir Yango. Est-ce que l'armée générale Oyaye, ou Kamba Troupe ya EAC, Azala qui est déjà dans le cabinet, il a déjà étudier le terrain, tu vois réponse na Katia et mission na biso awa na décryptage de l'actualité. À défaut un mandat offensif contre les agresseurs de notre pays, la République démocratique du Congo, dont le Rwanda, il n'y a ni importance ni opportunité ni justification de renouveler le mandat de l'armée EAC, Nakata République démocratique du Congo. Nous demandons au gouvernement de retirer la RDC dans EAC. Soutenons nos efforts pour combattre à l'est de la République. C'est aussi une suggestion, voulais-je dire. L'Assemblée nationale prévoit déjà une motion de défiance contre le ministre des Finances. Nicolas Kazadi est interpellé. Oui, donc on va aussi décortiquer qu'est-ce qu'il a fait. Bazobengaye ponanini awande bisiga masolo ekomi elengi. Vous vous êtes déjà habitué yakomonanga souvent na invité, mais aujourd'hui nous sommes seul car l'actualité fait rage en République démocratique du Congo. Sortie officielle ya Union sacrée de la nation. Est-ce que ils allient plateforme, point d'interrogation. Est-ce que on se pose toujours des questions? Le national demande une motion de défiance contre le ministre des Finances qui est Nicolas Kazadi. On se pose des questions. Comment le régime Kabila maintenait l'économie stable avec un budget de 4 milliards et les fonctionnaires n'avaient pas des arriérés et des salaires et les dollars étaient stables. Mais avec 16 milliards, on se pose des questions. Pourquoi l'Ipaizo Mata d'arrêt alimentaire est toujours en hausse des prix? Voilà, et puis nous allons ramasser beaucoup de sujets d'actualité dans l'émission Nabiso, mon colonel Lelo. Voilà, cantonnement militaire dans Katia Sabinyo. On se pose des questions, les Congolais se posent des questions toujours à chaque fois. Est-ce que, quel est l'apport à l'armée à EAC dans Katia République démocratique du Congo? On se pose des questions. Le général Oyo Azokamba, troupe à armée, il n'a jamais été à Sabinyo, mais il propose que cantonnement militaire est ça la Makuna. Est-ce qu'on a déjà identifié il y a combien de rebelles M23 qui étaient congolais d'abord pour M23 se déclare toujours que nous sommes des Congolais. Est-ce qu'ils ont montré leurs identités ou soit les anciennes identités qu'ils étaient des Congolais pour que bah, y ait un cantonnement?
C'est ça les questions qu'on va se poser dans la carte émission de Bissopé. Toujours se poser toujours. Est-ce que le général a étudié déjà le terrain? Parce que depuis ils sont là, Bazakaka, Nakati, il y a Kivu, Bakominanouté, Bazakaka, Nakati, il y a Goma, Bakominanouté, Nakati, il y a Sabino. On se pose toujours des questions. Est-ce que cantonnement militaire, ou les alliés sous-souté, moyen, oyo, rebelles, akoya, vers la population pour nous massacrer encore des avantages pour, avec l'accord Oyo RDC a signé na armée ya EAC pour mettre la paix et non les cantonnements. Cantonnement c'est bien, ils ont des armées rebelles, mais pour au commissariat nani tant ou beaucoup des armées rebelles aïe na kati ya population azon et tous na kati sa population toko zonga li sous na époque auto zala ki nango ya bouvain na kati ya église bomoni bombe moro et s'est explosé plus de 4000 personnes ou soit plus de 400 personnes bakoufi na kati ya wenze bakoufi na place moro. Pour moi ma proposition est celle-ci, ceux qui moutou azali rebelle il faut qu'on pousser ou soit cantonnement na bango et le mois kati ya est ba délocaliser yango ba matin avec pour ils sont prêts à négocier ou soit bazonga na kati ya République démocratique du Congo pour que ba travailler le ko la ba citoyen nions tout simple, mais ils ne peuvent pas travailler kaka na est de la République. Si tu te dis aujourd'hui que je suis congolais nazala ki rebelle naye na pousse na siko peuple il y a pouvoir en place, mais utilité na yo soko zala ki ingénieur ou soit zala ki militaire à mon humble avis ou soit ma proposition est celle-ci. Armée ya EAC et le général Christian Tshiwewe ba longola bango wana ba matata na ba avion ba ki na Kasai ba désarmer bango cantonnement et salami kuna, parce que le général n'a pas étudié les lieux, le général n'a jamais été d'abord à Sabinyo place cantonnement et Kosalama. Siko, pourquoi travailler là-bas ou soit pourquoi faire des trucs là-bas? Aux on a dit que l'armée est assez ayée pour nous créer encore des problèmes. À ce sujet, nous allons partager le même avis avec nos députés au Walobi. Non, il faut faire la confiance aux nos FARDC. Si que ceux qui armés Moussousou et Ezoya, les généraux, les militaires, Naba Angé Naba Bakoya, l'État va payer. Est-ce que Toko Somba Yango? On se pose toujours des questions. Ceux qui policiers moko ou soit soldats moko akufi na kati ya sol na biso, la République va récompenser ces pays là na valeur ya soldat na bango moko o ayé ko porter soutien na kati ya République. Ozo mona te ke et ko sala surcharge na kati ya République démocratique du Congo, c'est nous qui vont plus dépenser na armée mususu que Jordan. Et nous allons plus dépenser au lieu et à soutenir bah phare DC Nabisomoko bah kende bah récupérer. Les phare DC étaient déjà motivés, les phare DC avaient déjà le go y a kende corré récupérer bah mboka o ou soit bah village qui est déjà récupéré par les phare DC par les rebelles M23. Nous on a dit que armée on a ayé les sous collés sa force y a phare DC parce que tant mieux venir armée à Mupaya. C'est que l'armée est juste la couverture de ce qui est la place de Bissot. On se pose toujours des questions. Pour moi et nous, les peuples congolais, en tant que des jeunes, on dit non à l'armée et à ses pots. Depuis que dans la République démocratique du Congo, rien n'a changé. Ils ont la rare insécurité sur insécurité. Cette fois-ci, topé sa chance na armée na biso ou ezali ba phare DC pour que babunda la mboka pour msala na bango ezali ki batiki banda ku batiki basi batiki bana, ils ont la motivation ou soit ils sont motivés pour se battre pour donner leur vie pour la République démocratique du Congo, pour to battre la intégrité nationale. Mais aux omonate, on peut donner un exemple na katsoza lokola. Aux anayens, la bino déjà
aza déjà pomba ou soit azalara sportif boye kozela ye lisusu bagarre du corps na kati ya moko bozo mona te ke eza ko affaiblir ye a kozala na tenter ya ko kende ko s'entraîner pour ebike bagarre nanga bazali ba ko sécuriser au cas où tozo futa bango pour que ba garder République démocratique du Congo. Nous disons non, nous demandons à ce que le ministre Jean-Pierre Bemba, avec beaucoup de respect autour tout ça, là où tu maîtrises déjà le secteur, il y a sécurité, surtout il y a armée, pour vous allez déjà dans l'armée, là où vous allez qui diriger, pour la raille, ou soit pour la proposition, la biso vous allez que l'armée, voilà, balonwa, topé sa chance, na FARDC, na biso bakine, pour l'armée, voilà, et qui par rapport, il y a accord autour de qui na Nairobi. Mais aucun accord n'a été respecté. Pour la carte, il y a un accord, il y a Nairobi. Et c'est Ezali ensemble. Il y a Kenya, Ezali, il y a Ouganda, Ezali, voire même il y a Rwanda, pour Bazali, Nakati, et c'est voire même Angola. Mais on a vu hier, celui qui est le chef d'état-major ougandais, le fils propre, il y a le président Museveni, est allé fêter son anniversaire dans Rwanda, dans le salon présidentiel. On a vu aussi la présence du président Kagame. Donc, ok, Ozoa, ami, il y a adversaire, na yo, au commissier, ami, na yo, pour aya ou côté là, de toko tatabana, tourzala, jamais, na résultat, mon résali, sûr et certain, na kata République démocratique du Congo. Quant à moi, na zo linga que, botika, armé, na biso, nous faire décès pour. On a vu le ministre Nicolas Kazadi. Alubi dépense Yamakas ou Isalama qui n'a qu'à République démocratique du Congo. Isala qui au mois de janvier, la République a dépensé plus de 1 million et 140 millions de dollars pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Mais tout le monde la sécurité en haut. Et ont avancé dans l'autre côté. C'est que bon, on a quitté. On va entamer le sujet. Il y a ministre Nicolas Kazadi. On termine d'abord sur le premier sujet. Cantonnement militaire. Pour lui, les. Kata, puis un montage. Des questions. À défaut, un mandat offensif contre nos agresseurs de notre pays, dont le Rwanda, n'y a ni importance, ni opportunité, ni justification. Renouveler le mandat avec l'EAC. On vient de le dire, on vient de le dire, on le dit à chaque fois. On ne peut pas renouveler un mandat, un second mandat avec l'armée EAC, car dans le cas de l'EAC, nous voyons la présence de Museveni, nous voyons la présence de l'Angola. Oh, tout le monde dans le cas de l'Angola, tous en abandonnent dans l'EAC, mais nos frères, bazo ben en abandonnent tous dans le cas de l'Angola. Nous, il faut comprendre déjà dans le cas de point OK, la RDC n'a aucun pays OYO ACP là, dans la République démocratique du Congo. Nous sommes chassés partout en Afrique comme Awa. Le rôle dans le cas de Angola, tout le monde qui va déconner, et belé, baouti Angola, et l'autre, tout le monde sous refoulement. Or, dans le cas de EAC, nous avons un accord avec l'Angola. Tant que vous avez que bandeko o bakoti na illégalité, nous avons un accord diplomatique au gouvernement et gouvernement et non au chat au benga na bango de tout zomona na ba frontière. Nous disons non, il faut le président de la République azo conscience ou soit le gouvernement bazo conscience to signaka sous ba corte na ba pays limitrophe na biso parce que na est de la République. Tous les pays qui sont aux environs à l'est de la République, bah en Arabie Saoudite, Tozali pays limitrophe na Zambie, tout le monde a un niveau ya Lubumbashi, kuna na sud ya RDC, et là ils ont arrêté, il y a rien là-bas qui est mis et ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que là-bas, tout se comprendre na président ya pays ou na ou soit diplomatie na bisou na bango ils allaient normal, mais na Rwanda n'en parlons même pas. Na Ouganda, n'en parlons même pas. Na Angola, bah, ndeko misusu ba uti ko benga biso. Non, ndeko, ah, biso tozana Angola, bazo benga na biso, bazo benga na biso. Mais
et à Sewana, mutu azali ko géré yango pour l'instant ezali Angola. Mais armée angolaise ezali kaka na kati ya sol na biso. Donc baye ko profiter juste na richesse na biso pour yé atier cantonnement na kati ya Sabinyo. Mais na Sabinyo wana yo o retient ndenge ni to kokuta na grand hôtel tant que yo moko na o koma na grand hôtel ti. Parce que le salon ya grand hôtel et contenera 2000 personnes tant que vous avez au commenté ce que il y a combien? Il y a combien de gens qui viendront pour le cantonnement? Il y a combien de mercenaires au Rwanda qui sont rwandais mais dans le cantonnement pour que il y a juste la nationalité congolaise et puis bakende? On se pose toujours des questions sur ça. J'espère que à ce point on a bien compris avec les sujets armés et assez. Il faut tokata wana pour ezali ko apporter rien à Katia République démocratique du Congo. On passe dans sujet au ezali ya cantonnement, on a déjà parlé. Et je vous rappelle déjà de vous abonner massivement à notre chaîne Nabiso Actualité 24 pour ne pas manquer les informations 24 heures sur 24. Nous sommes là pour vous informer à temps réel. Nous sommes là pour vous parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Assemblée nationale interpelle ou soit vise une motion de défiance contre le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Mais c'est Nicolas Kazadi, argentier de la République, Toyebike Oyebi, tout ce qui concerne l'économie et les finances en République démocratique du Congo. Tu as été partout, na BAD, na FMI, à la présidence conseil itinérant en matière de finances. Mais bape si yo finance yamboka, bape si yo ministère des finances, il faut o gérer. Na expertise o yo zanango, biso to yeba kike, o outili sou soupe na parti o yo prenez sur les valeurs démocratiques, o yali UDPS o to yeba kike, une fois UDPS au pouvoir, tout va changer. Mais aujourd'hui, UDPS au pouvoir, depuis que Ngana Botama na kati ya République démocratique du Congo, avant ou soit après régime ya Fatshi, nante na mona biloko emata na ascenseur, ou ezali na escalier na vitesse ya ascenseur comme celle-ci. Tu nous as dit budget est comme na 16 milliards. Ba évaluera budget sur le nombre de fonctionnaires ou soit sur les dépenses aux républiques et aux autres dépensées. Depuis que le président de la République est là, tout le monde a noté ministère Morobo est engagé plus de 5000 personnes ou soit plus de 5000 Congolais pour la base. Bon. Mais on a vu, on a habité dans Koloba, ONG, l'ISANA, il y a G24, aux Ali. Dirigé par Mwana Mboka, qui est député national, qui touche que 21 000 $ le mois, mais a eu plus de 10 millions de Congolais pour foutre à Rabango le mois dans la rapine soins de santé. Moi, je ne suis pas contre ça, mais il faut se demander des questions et se poser des questions. Où est-ce que Azouakambo Mwana? Dépense où Nicolas veut nous dire que Mongo Oyo, Bafoutarabandeko, Bafoutarabango, Lissungi et Routarana dépense, il y a l'État. Là, on dit non. On doit être d'abord clair sur ça. Tosoma Soutan Nicolas Kazadi, tu nous as dit que budget Yamboka et Zalina 16 milliards. Bayeko fuyé dans 4 Tokuti 4 milliards Yapamba. Nous vous disons que, cher ministre, avec beaucoup de respect, que tout au Pessayo, dirige à Kamboka na Lokutate, il faut cesser avec ces mensonges. Moi, j'appuie l'Assemblée nationale. Ndenge Basalaki, ex
ministre de l'économie était destitué à l'Assemblée nationale. Et ça l'a fait de même, il faut que Tchamoutou ait la compétence pour gérer la République démocratique du Congo d'arrêt alimentaire et quitte à avoir la charge d'un ministère de l'économie. L'économie peut faire l'effort. Mais Moutou a mis ça en bon, et ça Nicolas Kazay. Tant que vous avez un budget à 16 milliards, il faut nous présenter budget budget par rapport à la dépense. Dépenses de la République démocratique du Congo, ils ont ça là pour l'instant. Pour partout ailleurs, tout le monde, il y a toujours des arriérés. Dans les institutions, tout il y a l'État. On n'en parlons même pas. Voir même dans le ministère, dans le ministère de la Finance, il y a des arriérés. Ce que le budget, il y a des il y a certaines personnes qui sont dans l'entourage du chef de l'État. Or que Zalinde que le chef de l'État Makambu. Le budget est clair. Clair. Yo Oroya aura proposé le chef de l'État non par rapport à l'évaluation na récolte tout ça le budget na biso est commis autant. Yo olobi na budget boy, yo moko sous ko se contredire oye ko le kolobake. Ils ont une institution mususu si je me rappelle bien Désirade ils ont pris sa bon côté. Donc, on estime par rapport à la recette, on écoute à la de Gérard, on sanguisse, on tini en Assemblée nationale, sans pour autant aux alambons en espèces. Maman gouverneur, il y a banque centrale. Il faut aussi aux ala clair dans ma camoufle. Tant les prétends, les ministres disent les mensonges dans la République démocratique du Congo, ou soit aux alliés sa population, il faut oser la peine d'attendre sa population qui non, ce que le ministre dit, c'est faux. Au écoute, la carte à banque centrale au bisou c'est autant. On a des mots et qui n'a la transparence, c'est ça qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits, ils allient que il faut dire la vérité, il faut dire la vérité au peuple congolais pour l'instant. Tout comme nous sommes là, partout dans la République démocratique du Congo. Nous sommes potentiellement riches dans la République démocratique du Congo. Voire même la place de Vandi, il y a un ou deux mètres de la maille. Il y a des partout. Mais tout le monde est en Égypte. Richesse dans la maille. Juste le tourisme. Le fleuve Nil est exploité. Tout dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on n'en a pas en République démocratique du Congo? Tout ça, c'est maï. Mais maï, on est allé à 2 mètres. Dans ce poste, tu m'as dit le boule dans le cas, ça le pend. Le rôle en début, tout ça, c'est à limiter. Surtout dans la partie industrielle. Au coquille, au crise, au commandant. Juste 2 mètres sans pour autant au monde maï. Mais maï, on a eu un cas qui a été dans la pompe. Tout ça, c'est maï dans le cas, ça le pend. Mais dans le robinet, ça a été. Le ministre des Finances, le gouvernement, on vous interpelle. Il faut beau songer juste à la population. Beau primordial et comment n'habitez famille n'abino la famille d'abord ou soit vos familles d'abord, vos enfants d'abord. De yali bosse zalara ceux qui va nommer au ministre ou comme déjà kota là, bana nanga ba kende kota nga ba bonnes écoles et puis ba ya kozonga. Beau zotala nante population congolaise. Population un Congolais à vivre na combien le ministère ya économie soit na ministère ya travail tozoy baté Congolais salaire minimum na ezalaka combien na société privée tout comme la société ya l'État. Aujourd'hui les Libanais nous payent voire même 80 000 francs. Bogobo ya kuluna ezalaka te ndenge nini po ndeko wana lobi ke kuluna ezali na kati ya République démocratique du Congo un député national ake kobeta eme kuluna ekozala te ndenge nini ikuluna ekozala te comment tant que mutu moko azali jeune âgé azali ce qu'on a charge na famille ou soit azali na makambo ebele azali na papa maman ndeko soit moi ça azali kobela amoni ah choix ezati misale ezati asimbikaka lichette ake na nzela. Ndeko otunye bien. Est-ce qu'elle a wana kalambu soki na kauka? Kuluna ezali. Ndeko lobi vérité, c'est ça l'état des droits. Et il faut dire la vérité en face kobanga mutute. Ndeko lobi que Kuluna ezali député national, membre ya Union Sacrée. C'est permis ya kubeta
électeur na o abimisaka ye député na commune na wana kaka ya kalamu Jean-Marie Lukulasi. Pourquoi une personne a dit la vérité? Pourquoi nous les Congolais tolinga raté ba ibisa biso vérité en face? Pourquoi nous les Congolais tolinga raté ba ibisa biso vérité en face? Ezalaki parenthèse juste de fongola qui pona ministère ya finance. C'est nous sommes déjà presque à la fin de notre émission de comme ce qu'on a sigé ya souka. Sortie officielle de l'union sacrée. Ngobila alobi yemoko atondisa déjà stade des martyrs. Il faut bâtir un écran géant na Willery na ba poignons tout ya République pour yemoko déjà parti ACP à kotondisa stade. Où est-ce que mbongo ya mobilisation ya stade des martyrs ezo bima? Awande tokoyeba bisika nini mbongo oezo financer sortie officielle ya union sacrée ezo bima. Tofongola parenthèse sortie officielle ya union sacrée. Union sacrée est gérée na combien de membres? Bati Lukwebo, Augustin Kabuya, Christopher Mbosso, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere, Sama Lukonde, toye komona lisusu chambula na kati ya union sacrée, toye komona lisusu Dani Banza qui est déjà représenté par le premier ministre Yepe Lususu aligné à côté mbutu mbutu koti entre Augustin Kabuya et Dani Banza tofumuli sije. Abonnez-vous massivement, massivement, abonnez-vous na kati ya chaîne pour que tofumula nteke tobeta qu'est-ce qui se passe na kati ya union sacrée, financement ya union sacrée ezo uta wapi. Financement à union sacrée. Il semblerait union sacrée contient maintenant 500 partis politiques où ils allaient adhérer à la vision à union sacrée. Est-ce que le parti politique est stable? Est-ce que le parti politique est dans la union sacrée? Bazan adresse la République démocratique du Congo ou sont ou soit sont des partis malades. Est-ce que dans la République démocratique du Congo, on peut avoir 500 partis politiques? L'écho, voire même vous avez dans la République démocratique du Congo, soit vous avez la Kalibanda. Tant que l'on a juste 100 partis politiques dans la République démocratique du Congo, tout commenté, mais l'Union sacrée a maintenant 500 partis politiques. Le parti politique, on a bauti wapi? Les partis politiques au Zaïre na katia union sacrée bazo soit financement ouais parce qu'il semblerait bah imposer bango chaque parti politique il faut ayana $5,000 pour la sortie officielle ya union sacrée. Parti politique bien sûr et vivra na ba cotisation. Il y a combien de postes ministériels où dans la République démocratique du Congo où ba aligné ba membre na bango na kati ya gouvernement au bâti de la bango cotisation ya parti. Si je me trompe pas, vous avez 54 ministères y compris les présidents de la République na kati ya entreprise privée public ou on a tout évité pour na moni na noté ou soit parti politique moko na kata République démocratique du Congo balancer offre ba luboya kotika ba débat demande d'emploi na bino soit ba CV na kati ya parti pour na bozwa misala mais parti politique on a ba jui ba $5,000 ou c'est là où Nicolas Kazadi vient encore tomber. Nicolas Kazadi vient encore tomber. C'est toi qui gères les finances ou gérer l'économie pendant plus ou moins 6 mois depuis ministre. Non, même pas 6 mois plus. Il y a 5 mois où gérer ministère et économie. Vous allez équiper ministère et finances tant que ministère économie à Koyaki. Mongwana et Outiwap. Est-ce que l'union sacrée est pour blanchir Batou
gouvernement sans madé et pour na ko blanchir batba préparer électorat ou soit pour na ko soutenir peuple congolais. On a vu dans ces mandats, on a changé plus ou moins 3 gouvernements. Intérêt à peuple zani. Na kati a sorti officiel ya union sacrée. Intérêt à population ezali nini. On se pose toujours des questions. Nanto fongolité teke. Tozaka kanaba question toko décortiquer en haut. Moko na moko bokendete. Abonnez-vous massivement na kata chaîne na biso actualité 24 na émission na biso décryptage de l'actualité. Nous sommes encore là, ça nous reste 40 minutes à décortiquer sur ces points. Primo, Papa Mbosoko a réuni plus de 300 pasteurs dans le district de Tchangou pour que Baya, Babenga Bandimi à l'église, Baya pour accompagner l'Union Sacrée, sortie officielle de l'Union Sacrée dans le stade des martyrs. Est-ce que Izalaki vraiment une bonne idée de Koukoutana ba pasteur? Pourquoi Akoutanina ba pasteur? Ya lembate ou soit ya mou ambate akouté na ba pasteur ya lukunga te akouté na ba pasteur ya place ya vanda akate na lukunga soki na mou amba kote ya zalaka akikaka Tchangou. Est-ce que la population de Tchangou tozaka kana manipulation auto outil ko sibir na pouvoir passer? Point d'interrogation. Jordan Fundu toko fongola le Seba ya Union Sacrée na émission Ezali Koya pour na kobeti la bino. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Quant à moi, je vous aime bien. Abonnez-vous massivement. Partagez les liens au max. Na émission Ezali Koya. Chaka kana playlist. Soki émission Oesili. Émission Ezali Kolanda. Tikala branché Oyoka. Qu'est-ce qui se passe dans l'Union Sacrée? D'où vient le financement de l'Union Sacrée? Qui soutient l'Union Sacrée? Qui est derrière l'Union Sacrée? Jordan Fundu, bye, ciao, à la prochaine.